Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire ce petit top au crochet, nous avons besoin d'une pelote de coton éco-coton de chez Lou Passion ou un autre coton. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Une seule pelote suffit, il vous reste même un bon petit morceau à la fin. Des ciseaux, une aiguille Allen et un crochet numéro 4,5. C'est parti! Alors, on va commencer par les deux bonnets. Pour ce tuto, je vous montre la taille de bonnet B. Je vous donnerai un tableau pour toutes les autres tailles. Donc, pour le bonnet B, on vient faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient rajouter 2 mailles en l'air. 1, 2, et dans la troisième, 1, 2, 3, on fait donc nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. On va y arriver. Le coton se sépare avec les fibres. Quelquefois, c'est difficile. Et 9. On a nos 9 mailles serrées plus les 2 mailles en l'air du départ. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on revient faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans les deux mailles en l'air que l'on avait faites à la fin du premier rang, on pique à l'intérieur et on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vous conseille de marquer la maille centrale, la deuxième maille des 3. Voilà. Et donc, on revient dans l'autre sens et on vient faire nos 9 mailles serrées de l'autre côté. 1, 2, 3, je prends un peu de fil. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir travailler en arc de cercle et en agrandissant à chaque fois le bonnet. On fait toujours une maille en l'air au départ. On tourne le travail et là, on va avoir 10 mailles en l'air. 10 mailles serrées, pardon. Les 9 qu'on avait plus une des 3 que l'on a rajouté. Chaque rang, vous aurez une maille serrée de plus sur les côtés. Alors, donc, il doit y avoir 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On arrive au marqueur. C'est facile de compter et avec le marqueur, on est sûr de ne pas se tromper. Donc, arrivé au marqueur, on enlève le marqueur et on refait 3 mailles serrées à la place du marqueur. 1, 2 et 3. On vient marquer celle du milieu et on continue nos 10 mailles serrées.
ça sera exactement le même procédé tous les rangs. Mais à tous les rangs, il y aura une maille serrée de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc chaque rang, une maille serrée de plus de chaque côté. Et les trois mailles serrées dans la pointe. On va agrandir comme ceci à chaque fois. On va continuer avec 11 mailles, ensuite 12 mailles, etc. Donc, je vais continuer. Donc une maille en l'air, on tourne et on vient piquer. Alors, où vous comptez les mailles ou pas, en arrivant jusqu'au marqueur. On va continuer comme ceci jusqu'à avoir d'un côté et de l'autre 20 mailles serrées plus les 3 du centre. Donc là, j'en suis à 11. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On enlève le marqueur et on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Je marque celle du milieu et je continue. 11 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà ce que ça nous donne. Je vais continuer à faire mes rangs exactement de la même façon jusqu'à obtenir de ce côté 20 mailles plus 3 mailles du centre et 20 mailles de l'autre côté. Je vous retrouve lorsque c'est fait. Alors, en ce qui concerne le tableau des tailles, pour une taille S, on va monter 7 mailles en l'air, plus 2 au départ, et on va aller jusqu'à obtenir 18 mailles serrées sur les bords, ici, sur les bords du bonnet. Bien sûr, on a toujours les 3 mailles en l'air ici, les 3 mailles serrées ici, et 18 de ce côté. Donc, on fait 7, 8, 9, 10, jusqu'à avoir 18 mailles serrées ici, les 3 mailles serrées dans le centre et 18 mailles de l'autre côté. Pour la taille M, celle qu'on est en train de faire, donc 9 mailles en l'air, plus 2, et on va jusqu'à avoir 20 mailles serrées de chaque côté. Pour la taille L, on va faire 11 mailles en l'air, pardon, plus 2 au départ, et on va aller jusqu'à avoir 24 mailles serrées sur les bords. Et pour la taille XL, on va monter 13 mailles plus 2 et on va aller jusqu'à aussi 24 demi-brides, puisqu'on va faire le travail en demi-bride pour une taille XL. Voilà, je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà, et donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, on a fini notre premier bonnet, 20 mailles, les 3 mailles au bout, et 20 mailles de l'autre côté. Maintenant, on coupe le fil, une bonne longueur parce qu'on va le rentrer à l'aiguille, une maille en l'air, et on tire. On a notre premier bonnet, taille B. Bon, c'est très extensible. Ensuite, il va y avoir un petit bord autour, mais
Après, si vous pouvez essayer, c'est encore mieux. Si vous voulez rajouter ou enlever, si c'est entre deux tailles, voilà, vous essayez, vous voyez. Mais normalement, ça correspond très bien au bonnet B. Je vous montre. Très joli. En plus, il n'est pas transparent du tout. Donc, c'est impeccable. Donc, on fait un deuxième exactement de la même façon. Vous reprenez le tuto au début. On monte avec 9 mailles plus 2. Et on refait jusqu'à 20 mailles. Et on se retrouve avec les deux bonnets. À tout de suite. Voilà, je finis le deuxième bonnet. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Maintenant, on va cacher les fils à l'aide de l'aiguille à laine. Alors, on passe comme d'habitude dans quelques mailles, aller-retour. Sans trop tirer sur le travail, on coupera. On fait la même chose pour le deuxième fil. Voilà. On prend le fil. Hop. Voilà nos deux bonnets. Donc voilà les deux bonnets de terminés. Maintenant, on va faire la partie basse. On va rattacher les deux bonnets à l'aide d'une chaînette et ensuite on va travailler vers le bas. Alors on prend notre fil, on va faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 19 et 20. 20 mailles en l'air. On vient se raccrocher au premier rang de notre petit bonnet. Voilà. Et on vient faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque rang. On le voit parce que à chaque fois il y a un petit trou, donc on fait une maille serrée dans chaque rang. Voyez, on pique dans le rang là où il y a le petit trou, pas dans le, à côté. Hop, à côté, voilà, une maille dans chaque rang. Dès qu'on voit un petit espace, on fait une maille serrée. Et j'arrive au dernier rang. C'est là où j'avais cousu et rentré le fil, donc c'est un peu plus dur. Voilà, maille serrée. On prend le deuxième bonnet, on pique dans le premier rang et on vient faire également une maille serrée
dans chaque rang que l'on rencontre. Voilà, chaque petit espace. Je vous retrouve au bout. Voilà, je finis ma dernière maille serrée dans le dernier rang. Voilà. Je fais maintenant, comme de l'autre côté, 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends un peu de fil. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je tourne le travail. Je fais une maille en l'air. Et dans la deuxième, je viens faire un rang de mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille. Donc une maille serrée dans chaque maille en l'air. Je vous retrouve au début du bonnet. Voilà, j'arrive à la dernière maille en l'air de ma chaînette où je fais une maille serrée et je continue maille serrée sur maille serrée tout le long des deux bonnets et 20 mailles serrées sur la chaînette. Je vous retrouve en bout de rang. Alors, je finis mon rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air, je tourne et je recommence un deuxième rang de mailles serrées tout le long du travail. Voilà, tout le long, mailles serrées, mailles serrées, et on se retrouve en fin de rang. Voilà, je finis mon deuxième rang de mailles serrées. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Alors, les 3 mailles en l'air comptent pour la première bride. Je fais une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air. Je saute une maille et dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride. Et je fais ça tout le long du rang. Des résilles, tout le long du rang, jusqu'à la fin. Une maille en l'air, je saute une maille, et dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille après, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, une bride, et je fais ça tout le long de mon rang. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive au bout du rang, une maille en l'air, je saute une maille et une bride dans la dernière maille. Alors, il se peut que ça tombe pas juste, qu'il vous reste juste deux mailles à la fin, donc vous pouvez pas sauter une maille et faire une bride, donc vous faites juste deux brides à la fin, ça dérange pas. S'il y a deux brides à la fin. Voilà. Alors, on fait 3 mailles en l'air et on tourne le travail. Et là, on va remplir de brides. C'est-à-dire, là où on a un espace, on va faire une bride et les brides sur les brides. Donc, ceci, les 3 mailles comptent pour la première bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace. Une bride sur la bride. Une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Une bride dans l'espace, une bride sur la bride, etc. jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, je finis ma dernière bride. Et on va maintenant alterner. Un rang de résille, un rang de bride, un rang de résille, un rang de bride, etc. jusqu'à la longueur souhaitée. Vous pouvez faire une dizaine de rangs, 8 ou 10, ou un petit peu plus long. Moi, je vais le faire un petit peu plus long pour qu'il arrive à peu près au nombril. Et je vous retrouve lorsque l'on a terminé notre longueur. Voilà, lorsqu'on a fini la longueur souhaitée,
On termine par un rang de résille. Je fais ma dernière bride. Voilà, j'ai la longueur que je souhaite. Donc sur le rang de résille, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première résille, on vient faire une maille serrée. Dans la résille d'après, on vient faire 7 demi-brides. 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la résille d'après, une maille serrée. Dans la résille d'après, 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la résille suivante, une maille serrée. Je prends un peu de fil. Donc, on va faire un petit rebord comme ceci avec des coquilles sur tout le bas de notre top. Alors, on continue. Dans la résille suivante, 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et une maille serrée dans la résille suivante. On va faire ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive au bout de mon rang de coquilles, sur tout le bas de mon travail. Il me reste une résille. Je fais une maille serrée et une maille serrée sur la troisième maille en l'air du rang. Voilà, le rang est terminé. Maintenant, on va travailler sur le bord. Alors, sur le bord, on vient faire une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. On passe le rang de bride. On vient dans le rang de résille. On fait une maille serrée, trois mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille serrée. On saute le rang de bride, on vient dans la résille, on fait une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée, etc. On passe le rang de bride, dans le rang suivant, une maille serrée, trois mailles en l'air et une maille serrée. On va faire ça jusqu'au bout du rang, ça donne un petit rebord avec des petits arceaux. Ça nous aidera tout à l'heure pour croiser notre petit cordon. Alors, on continue ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. On passe dans la résille suivante, une maille en l'air, une maille serrée, pardon, trois mailles en l'air, une maille serrée. Dans la résille suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Il nous reste les premiers rangs de mailles serrées. On vient faire 2 mailles serrées dans chaque, une maille serrée dans chaque rang, donc 2 mailles serrées. Voilà, on a terminé notre bord. On tourne et on vient faire le même procédé, je vais vous montrer, tout le long des bonnets. Du bord et on redescendra jusqu'à nos coquilles. Alors là, on voit des mailles serrées. On voit des mailles serrées. Donc pour commencer le rang, une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée dans la même maille. On vient sauter deux mailles, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée, trois mailles en l'air. Et une maille serrée. On vient sauter deux mailles, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée dans la même maille. On passe deux mailles, 1, 2, dans la troisième, une maille serrée, trois mailles en l'air,
une maille serrée. On continue ça. 1, 2 mailles en l'air, 2 mailles que je passe. Et dans la troisième, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. On va faire ce petit motif de bord. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout le long, toujours en sautant 2 mailles et en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, on saute 2 mailles, etc. Et on fait ça tout le tour des bonnets. Ici, là, arrivé en bout, on fait 2 mailles serrées dans le coin et on redescend jusqu'à arriver à notre bordure. Je vous retrouve ici. Je finis mon rang de bordure, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée et une maille coulée dans le début des coquilles. Voilà, on a fait tout le tour de bordure, ça donne une petite finition très sympa. Donc quand je suis ici, je coupe le fil, une maille en l'air, je tire le fil, voilà. On va rentrer les fils qui dépassent et ensuite on va venir faire les petits cordons, 2 ici pour le coup, tour de cou, et un grand qu'on tressera sur le dos. Une fois qu'on aura fait notre cordon, voilà, on fermera et on tressera comme ceci en croisé pour la fermeture du top. C'est pour ça qu'il est adaptable à beaucoup de morphologies, parce qu'on peut bien sûr l'étirer ou le resserrer comme l'on veut. Alors je rentre les fils et je vous retrouve. Je vous retrouve lorsque j'ai 80 mailles en l'air. Je termine mes 80 mailles en l'air, je coupe le fil et je tire la maille. Voilà, si vous trouvez que c'est un peu trop long, vous réduisez le nombre de mailles. Moi j'aime bien quand ça retombe derrière sur le dos, quand on attache au cou, après on fait le nœud et ça tombe un petit peu. Après c'est vous qui voyez, moi je fais 80 mailles, je vais refaire la même chose sur le haut de ce bonnet et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes 2 chaînettes de 80 mailles en l'air. En arrivant au bout, je fais un nœud et je le fais coulisser tout doucement pour arriver tout au bout. Je serre bien fort et je viens couper le fil. Je fais la même chose pour la deuxième. Un petit nœud au bout. Je le fais coulisser tout doucement. Excusez le bruit, c'est les voisins qui font des travaux. Et maintenant, je vais rentrer les 2 fils à l'aiguille tout le long du travail. Donc, j'enfile l'aiguille. Voilà. Et je viens rentrer le fil dans les mailles sans trop tirer. Je fais un aller-retour, je crois que ça va aller. Quand on sent que ça force un peu dans les mailles, c'est que le fil sera bien fixé. On détend un peu le travail et on coupe le fil à ras. Je fais la même chose de ce côté. Je passe dans quelques mailles. Et dans l'autre sens. Voilà. Je coupe le fil à ras. Voilà, nos 2 chaînettes sont prêtes pour le coup. Je vais monter une chaînette de 200 mailles
en l'air, 200 mailles en l'air, pour pouvoir faire le dos. S'il est un peu plus petit, le vôtre, s'il est plus petit, vous faites un petit peu moins, 150 ou voilà. Tout dépend de la grandeur puisqu'on va faire des zigzags. Donc il faudrait qu'il soit plus grand. Moi je pense que 200 mailles ça suffit. Je monte la chaînette et je vous dis ça tout de suite. Une fois la chaînette de 200 mailles terminée, voilà, je vais venir la tresser à l'arrière de mon top. Je prends un crochet, je viens prendre la première boucle, et je viens la tresser en croisée derrière le top. On essaye de la centrer. Voilà, et on va venir croiser. On prend comme repère les petits arceaux que l'on avait fait sur le côté. Je vais faire de deux en deux comme ceci. Voilà. Et celui d'en face. Ainsi de suite jusqu'à arriver en bas, et ensuite on aura terminé notre petit top après avoir fait les nœuds sur le bout des cordons. Et le dernier petit arceau. Ça sera tout en bas du top. On fait au même endroit pour le bas. Voilà. Je vous montre ce que ça donne une fois détendu. Donc vous pouvez le détendre beaucoup plus, vous arrangez à votre taille. Voilà, donc à la suite on va venir faire un petit nœud au bout comme tout à l'heure au bout des cordons. Voilà, je fais coulisser. Quand j'arrive au bout, je serre bien et je coupe le fil. La même chose de l'autre côté. Et on a terminé notre petit top été. Ravissant. Très facile, vous voyez. Donc ici, je viens fermer. Un petit nœud, voilà, et donc on a un joli top qui est terminé. On peut venir mettre une petite fantaisie au milieu si l'on veut, un petit pompon ou deux trois fils avec quelques perles. Je vais vous montrer comment mettre un petit pendentif au centre des deux bonnets avec quelques perles. Donc on prend du fil, on prend à peu près 2 fois 20-25 cm
Voilà, on prend un peu plus grand que prévu, à peu près, voilà. On vient prendre les deux brins. On vient piquer avec le crochet à la maille du milieu, là. Voilà, on prend le brin, on le passe, on enlève le crochet, on essaye de mettre les brins à peu près à la même hauteur, et on passe à travers comme quand on met des franges sur quelque chose. Voilà, comme ceci. Dans chaque brin, on va venir passer une perle. Moi, j'ai choisi des toutes petites perles en bois, comme ceci. Voilà. Je passe le petit crochet à l'intérieur. Vous pouvez le faire à l'aiguille aussi. On tire le fil et on vient faire un nœud en passant 4 fois le brin à l'intérieur. On fait le nœud et on passe 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Tout ça pour que le nœud soit un peu plus gros. On tire dessus, voilà, comme ça la perle ne passera pas. Je coupe à ras, voilà. Alors je cherche un autre fil, je passe une deuxième perle à l'intérieur, voilà. Je vais venir essayer de faire les nœuds à une longueur différente, comme ça les perles seront à des longueurs différentes, les 4. Donc là je le fais un petit peu plus haut, toujours le même système, je fais une boucle et je passe, pour ma part avec mes perles il faut que je passe au moins 4 fois à l'intérieur, une fois, deux fois, trois fois et 4 fois. Voilà. Un brin qui n'est pas passé. Voilà. Et je tire le nœud tout doucement. Et je peux venir le couper. Couper le fil qui reste à ras. Voilà. Donc on a deux perles. Je fais pareil pour les deux autres et je vous retrouve. Donc voici le petit pendentif réalisé et votre top est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu, qu'il a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, à bientôt.